Hello guys and welcome to my second video. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons tout simplement essayer d'introduire ce que c'est que HTML5 et CSS3. Les amoureux de la langue de Shakespeare vous diront HTML5 and CSS3. HTML signifie Hypertext Markup Language et CSS quant à lui signifie Cascading Style Sheet. HTML c'est tout simplement un langage à balisage. Alors que CSS est un langage qui nous permet de décrire la mise en forme de notre site web. CSS signifie feuille de style en cascade, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. HTML, comme je l'ai dit et je me répète, signifie langage à balisage. HTML va permettre de décrire le contenu de notre site web. Alors que CSS va permettre de décrire, disons, la mise en forme de notre site web. Alors, essayons de prendre exemple sur ce site web et faire la nuance entre contenu et mise en forme. HTML va permettre de pouvoir dire que par exemple ceci représente le menu, ceci représente un paragraphe, ceci représente un pied de page, tandis que CSS va permettre de dire il faut donner la couleur de fond grise au menu, il faut placer le menu à cette position, et ainsi de suite. Alors, la mise en forme concerne ici les différents réglages en termes de couleur, de position, pour ne citer que cela, alors que la description du site web que fait HTML signifie simplement à spécifier les différents éléments, un titre, un menu, un paragraphe, ainsi de suite. Alors, je crois que cette introduction brève va vous aider à comprendre ce que nous allons voir. Nous allons voir par étape HTML5, qui est la dernière version en date de HTML, aujourd'hui le 28 février 2013, et CSS3, également la dernière version en date. Alors, sans trop parler, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine, and see you next time, guys, and XOXO, bye.